Bon. Bah écoutez. Écoutez, c'est le moment où il va falloir qu'on s'enfonce. Eh bien écoutez, ça me paraît pas mal par ici. On va se faire ça par ici. Puis bah écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est un peu la tristesse. Je vous le dis, c'est un peu la tristesse. On aurait aimé. On aurait vraiment aimé trouver, trouver des gens. On n'a pas trouvé. C'est pas très grave. Du coup, si on tombe sur quelqu'un dont on ne connaît pas la couleur, on peut toujours jouer le bluff, entre guillemets. Dire, oula, attends, t'es mieux stuff que moi, je te donne pas ma couleur. Si on est mieux stuff que la personne, je pense qu'il n'y a pas trop trop de soucis à se faire. Donc voilà. Bref, ça va être compliqué. C'est le deuxième épisode de KTP 11. On est un petit peu dans le caca. Voilà, on est tout seul, mais c'est pas grave, c'est pas. Honnêtement, moi je pense que si on n'a pas eu de chance au premier épisode, c'est qu'on en aura au deuxième. Ce que je sais, c'est que probablement Aurélien et Skyheart n'ont peut-être pas leur team. Sachant qu'il y en avait un dans la team bleue, un dans la team rouge. Oui, c'est un, non, un dans la team bleue, un dans la team orange. Ça me fait me dire que, bon, peut-être que je suis pas si mal que ça. Peut-être qu'il y a très peu de gens qui sont actuellement en team. C'est possible. C'est fort probable qu'on soit très, vraiment très peu à avoir réussi à trouver un coéquipier. Et ça me déplairait pas. Parce que, bon, écoutez, je préfère être mal, mais que les autres aussi soient mal. Il faut le dire. Parce que bon, c'est pas super d'être dans le mal, autant vous le dire. Mais bon, c'est pas grave. Là, on tente des choses. Là, on a trouvé un bon spot de grotte. Avec pas mal de fer. Alors du coup, forcément, ça fait plaisir. Là, on va bientôt être full fer, quasiment. Puisqu'on trouve vraiment, vraiment, vraiment pas mal de fer. On a récupéré ce dont on avait besoin dehors. On a assez de bouffe. Honnêtement, on peut quand même faire des choses. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Il faut le dire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se refait un four cette fois pour la bouffe. De toute façon, on en avait assez. Mais bon. Hop. Alors, la bouffe. 8 et 8, 16. C'est bon, on en fait cuire 15. Alors, on va commencer par se faire le plastron parce que c'est nécessaire. Et on enchaîne direct avec l'épée qui sera avec nous pendant toute la durée du jeu finalement. Hop, hop. Je sais pas du tout quand la série est diffusée. J'ai jeté ma pioche, je suis très très con. Mais c'est pas grave. Hop, je sais pas du tout quand la série sera diffusée. Écoutez, surprise! On verra. Ça dépendra, je pense. Bon, non, en fait, je sais pas de quoi ça dépendra. On s'en fiche un peu d'ailleurs. Hop, 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 hop. Un petit peu de tri, ça fait pas de mal. Ok, on va se faire un saut. On va se faire un saut et dès maintenant, on va retourner à la surface chercher de l'eau. Parce qu'on est tout près de l'eau et c'est vrai que ce serait pas mal d'être déjà pas mal. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que comme on a beaucoup de cuir, on en a 14. On n'hésite pas à prendre des cannes à sucre. C'est vrai qu'on est assez proche du 0-0. Je vais enlever l'indicateur de couche. Enfin, on est assez proche. On est à 500 blocs, quoi. Mais c'est plutôt pas mal dans le sens où. En fait, non, je sais pas pourquoi c'est plutôt pas mal. Mais j'ai envie de me rassurer en me disant que c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore vu l'ampleur de nos grottes. Je sais pas si ce sont des grottes qui vont nous être vraiment utiles ou non. En tout cas, on va voir ça très vite. En tout cas, on a encore du fer. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hop.
On remonte juste ici pour faire cuire notre fer. La moitié ici, l'autre moitié par là. Hop, la bouffe, on prend ça pour être bien. Alors, du coup, là, on a encore du fer. Non, elle est vraiment pas mal parce que regardez, on n'est pas du tout descendu. Et finalement, on est déjà pas mal. Alors, franchement, moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. On va se faire tout de suite un seau pour prendre de la lave. Parce que pour se protéger éventuellement, parce que là, si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment mieux stuff et qui connaîtrait notre couleur d'équipe, bon, ce qui serait bizarre d'ailleurs. Ok, saut de lave buggé, mais c'est pas très grave. Eh bien, on serait un petit peu dans la merde. Hop, hop, hop. Alors, là, on a fini notre bouffe. On va faire cuire quand même cette bouffe-là. On en met 3. Hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, on va pouvoir se faire des jambières. Hop. On va pouvoir se faire des bottes. Et ça y est, voilà, on est full fer. Ce qui est plutôt pas mal. On va, hop, se faire des sticks supplémentaires pour avoir des torches. Les torches, c'est important. Oula. Hop, hop. Ok, on est sur des bonnes galeries. Hein. On est vraiment sur des bonnes galeries. Il y a une chauve-souris par ici. Oula, des petits bugs de collision. Ok, je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Alors du coup, on va y rester. Pas la peine de chercher d'autres grottes quand celle qu'on a est déjà pas mal. On va juste peut-être amener nos fours. Parce que je pense que tout aura cuit, sauf peut-être la bouffe. Mais ça, c'est une autre histoire. Je prends un peu de charbon parce que bon, level et puis aussi parce que bon, c'est chiant quand on veut faire cuire un truc et qu'au final on se dit merde, j'ai pas de charbon et qu'on n'en trouve pas juste à côté. C'est vrai que c'est un peu mieux. Alors, on se récupère un petit peu tout et on va aller s'enfoncer un peu plus dans ces grottes. On va manger d'ailleurs. Et voilà. Alors, je pense que par là, c'est un bon spot à moins qu'on voit quelque chose de vraiment ouf par ici. Je prends le fer. Ah, les serveurs de KTP, ils lag au début, mais après, ils sont vraiment hyper cool. Et c'est vrai qu'on lag très très peu, voire vraiment pas. Ok, on a le creeper juste ici. Ok. Ok, on est un peu tranquille. Alors, ma plus grosse peur, ce serait à l'heure actuelle les witches. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors, donc ça passe. Hop, ici on est allé. Par là, il y avait un peu de fer. Il y en avait encore plus loin. Je vous propose qu'on continue par là. La grotte m'a l'air assez intéressante. Hop. En plus, il y a des champignons. Il y a un squelette qui ne nous a visiblement pas vus. Ok, plutôt bien sécurisé pour une fois. Oh, mais regardez, mais c'est. Oh, cette chatte! Cette chatte de ouf que j'ai. Je récupère un arc qui est en plus pas trop trop usé. Et on a combien de plumes? On a 9 plumes. Honnêtement, je suis plutôt content. Là, je suis vraiment content parce que, au final, vous voyez, je vous avais dit que la chance tournerait un petit peu. Je vous l'avais dit. Et au final, je n'avais pas tort. On est en quelle couche là? En couche 42, hein, donc on est encore trop haut. On est encore trop haut, mais néanmoins, on n'est pas trop mal. Non, honnêtement, là, l'arc me met plutôt bien. Je pensais pas à trouver un arc tout de suite. Tant vous le dire. Enfin, j'ai espéré. Au moment où je l'ai tué, je me suis dit,
Ah, ce serait vraiment sympa qu'il drop un truc de malade. Et il a droppé un arc. Bon, le mieux serait été qu'il soit enchante, hein, mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Hein, et ça suffit quand même, plutôt pas mal. Bon, finalement, cet épisode 2, pour le moment, est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que on va poser nos fours ici. On va même refaire des fours. Hop, on va en refaire 2. Ça suffira. 3, allez, 4. Oui, bon, ok, je voulais conserver ma cobble, mais bon, c'est pas très grave. Là-dedans, on va mettre la bouffe à cuire. 1, 2. Là, on va mettre, hop, du fer. Du fer. Du fer. Et encore du fer. Et là, niveau fer, on va être vraiment pas mal. Ce qui me fait plutôt plaisir. Hop, on va bientôt d'ailleurs pouvoir se faire un casque. Hop, on va se le faire dès maintenant. Comme ça, au moins, on sera un peu moins vulnérable à certaines choses. Je regarde s'il n'y a pas du gravier. On n'a pas du gravier aux alentours. Ce que je vous propose, c'est de creuser par en bas, par ici. Tout simplement. Comme on est un petit peu des fous et qu'on veut pas non plus avoir de soucis, je vous propose une petite sécurisation tout de même. Un lag? Ah non. Non, non, c'est juste un bug d'affichage, je pense. Hop. Petite sécurisation par ici. Petite sécurisation par là. Et on est bon. C'est pour éviter en fait que les mobs arrivent, quoi. Parce que ce sera un petit peu problématique. Les bébés zombies peuvent arriver, mais bon. C'est que ça. Allez. On va descendre. On part en couche 11 ou 12. On n'est pas dans des extrêmes îles, on vérifie. On est dans un swampland. Alors je ne sais pas ce que c'est. Sûrement. Je sais pas ce que c'est, swampland. Je ne sais pas du tout. J'entends une caverne à droite, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller tout de suite. Parce que je me dis que. Quoique, attends, on l'entend quand même pas mal. On verra après. Si vraiment on trouve rien là, en descendant, on ira sur la caverne de notre droite. Enfin, du moins si j'ai mis. Oui, j'ai mis mon casque à l'endroit. Je vérifie tout le temps, on sait jamais. Des fois, tu crois que t'as ton casque à l'endroit et en fait, il est à l'envers. Et c'est à ce moment-là que. Que bah, c'est un peu la tristesse. Mais bon, je m'en serais rendu compte, je pense. Hop, je vous éclaire un petit peu parce que bon, je me doute bien que c'est pas toujours sympathique d'être sans lumière. Hop, couche 19, couche 18. Couche 17, 16, 15, j'entends de la lave. 14, 13, 12, j'entends de la lave, ouais, clairement. On va se mettre en couche 12. J'entends de la lave juste par ici. Ouais, c'est ça. Oh, et puis regardez. Non, mais c'est pas possible. Un diamant. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 7 diamants. Eh bien écoutez, on pouvait pas mieux espérer pour le moment. J'entends de la lave par ici. On va y aller dès maintenant. Allez, le diamant nous met bien. Alors ce que je vous propose, c'est que on a trouvé cette petite galerie. On va hop. On va récupérer tout ce qu'on a mis à cuire. Et puis, bah écoutez, on va descendre et puis on va enfin pouvoir se faire des premiers enchants. On est bien. On est bien. Franchement, dans la game, on est plutôt pas mal. Bon, on peut tout casser, hein. Ça nous récoltera directement. Ça, honnêtement, j'y aurais pas trop cru. On m'aurait dit, t'auras 7 diamants au milieu du deuxième épisode. J'aurais dit ouais, ça reste à prouver. Hein. Mais on n'est pas trop mal. Hop, hop, on se fait une autre pioche en fer parce qu'on est un peu des thugs. Hop. D'ailleurs, on va se faire du tri dans la lave. Hop, allez, on rebouche un petit peu derrière. Ok. Alors, on va se faire du tri dans notre stuff. Une fois qu'on arrivera au lac de lave,
Ça va, on a eu assez de chance. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai voulu tourner là, à cet endroit-là. Je sais plus où c'est que j'ai tourné, bref. Hop. Alors, on jette la granite, on jette la diorite, on jette les seeds, on jette l'andésite, on jette ça parce que c'est pas très bien. Ça aussi. Ok. On va procéder directement à la création de quelque chose. Hop. De ceci qui me paraît être une très bonne chose. Et regardez, on a 14 livres. Honnêtement, 14 livres. Il y a moyen de faire des trucs de malade. Vraiment de malade. Hop. Allez. Ce qu'on va faire, c'est que on fait ça. On est tranquille. On peut se faire notre pioche en diamant dès maintenant. Ce sera même peut-être plus rentable. Je sais même pas pourquoi j'ai fait une pioche en iron. Bon, tant pis, hein, ça arrive des fois de faire des oublis comme ça. C'est pas très très grave, vous me direz. Hop. Allez. Plus cool, ce serait d'apercevoir du diamant là. Ça, ce serait l'idéal. Hop. Bon, Nether. Alors, la seule utilité, honnêtement, que je vois au Nether, c'est que ça pourrait nous aider à retrouver nos coéquipiers. Parce que, du coup, on entendrait moins de. Mais, ouais. Mais je veux dire. Ouais, non, en fait, peut-être pas. Parce que ça nous permettrait d'aller plus vite sur l'Overworld, en fait, en se déplaçant dans le Nether. Du coup, on entendrait les coéquipiers qui sont dans l'Overworld. Mais, en fait, ça nous dirait pas si c'est nos coéquipiers ou non. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas une très très bonne idée finalement. Finalement, maintenant que j'y pense. Hop. Ce que je pourrais faire aussi, c'est des bibliothèques. Est-ce que ce serait rentable de faire des bibliothèques? Je serais capable d'en faire combien? J'en ai 14. Je pourrais faire 7 bibliothèques. C'est vrai que ça me paraît plutôt intéressant. Cette bibliothèque, ça pourrait être cool parce que ça nous permettrait de faire pas mal d'enchantes. On va peut-être partir là-dessus. Cette bibliothèque, je pense qu'on peut trouver des trucs assez OP. Ouais, on va se faire ça, on va se faire des bibliothèques. Clairement. Clairement, on va se faire ça parce que plus que les livres, les bibliothèques seront. Enfin, les bibliothèques, on va les faire, mais elles serviront pour tout, quoi. Est-ce qu'on a assez de bois? Ouais, on a largement assez de blocs bois pour faire des bibliothèques. Il nous faut 2 x 14. Hop, voilà. Là, on aura à peu près ce qu'il faut. Ouais, même non, il nous en manquera peut-être un petit peu. Bref. Hop, là, on est bon. On va tout de suite se faire notre table d'enchant. D'ailleurs, oui, il faut un livre pour la table d'enchant. Également. Non, 2 livres. Un livre. Un livre. Un livre et 2 diamants. C'est ça. Hop, hop. Ok, là on a notre table d'enchant, on est bien. Avant d'enchanter, on va partir par ici. Et on va explorer. On va voir un petit peu ce que le monde nous a offert. Visiblement pas grand-chose, mais c'est pas très grave. Enfin si, c'est un peu grave, mais écoutez, on peut pas faire autrement. Il faudrait du diamant. Là, elle est dans le doute. On va aller voir. Hop, et bah écoutez, c'est bientôt la fin de l'épisode. Franchement, épisode qui aura été vraiment, vraiment sympathique. Ouais. Honnêtement, on est pas mal. Bon, je pense que vous me direz dans les commentaires s'il faut que je fasse des bibliothèques ou non, mais ça ne servira à rien étant donné que tout a déjà été tourné à l'avance. J'ai jamais vraiment dans un KTP ou dans un Top Gun pris la décision de faire des bibliothèques ou non. Là, je vais prendre la décision et je pense que c'est une bonne décision puisque j'ai assez de livres pour faire pas mal de bibliothèques. Donc, on verra. Il faudra juste que je fasse attention une fois que je les ai posés. Bien, on peut plus les récupérer quoi, les bibliothèques.
Ok, bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans le prochain, en attendant n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super, et bye tout le monde!